Vous êtes sur RTL. Merci beaucoup Pascal Pro. Rendez-vous demain sur RTL et puis bien évidemment restez à notre écoute car aujourd'hui on va parler du syndrome de l'imposteur. C'est ne pas être fier de soi, attribuer nos réussites à la chance, se dire qu'un jour on sera démasqué et tout le monde saura qu'on n'est pas si bien que ça. Bah oui mais c'est faux et ça fait souffrir. Ça c'est jusqu'à 15h et à 15h précisément aussi, on va se détendre avec les films de Funès et les recettes de Sonia Esgulian. Et paf générique. 14h30, 15h. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur RTL en ce lundi. Merci d'être avec nous, merci pour votre fidélité. Tous ensemble, on fait ce que l'on peut pour réfléchir, puis pour se détendre loin du chaos. La semaine s'annonce riche, variée et nos réseaux sociaux vous en donneront chaque matin un avant-goût. Et de quoi qu'on parle aujourd'hui? Eh bien, place au sujet de cet après-midi. La réussite, une promotion, la reconnaissance, bah oui, on en rêve tous. Et pourtant, si la majorité d'entre nous se réjouissent des succès qu'ils récoltent, il en est d'autres qui ont le sentiment de ne pas pleinement mériter les lauriers qu'ils reçoivent et qui doutent en permanence de leur légitimité et de leurs compétences. C'est ce que l'on appelle donc le syndrome de l'imposteur. Alors d'où vient cette croyance et comment y mettre un terme pour jouir pleinement des fruits que l'on récolte? On en parle avec vous, avec nos invités. Bonjour Pascal Schenck. Bonjour Flavie. Ça me fait plaisir de vous entendre, Pascal. Ben moi aussi, même si je ne vous vois pas. Mais... oui, mais ce sera pour bientôt. Enfin, ça fait plus de 6 mois qu'on se dit ça, mais on va y arriver. Vous êtes journaliste spécialisé en psychologie et vous êtes auteur d'un livre « Et tu verras ta vie autrement » aux éditions Larousse. Bah oui, c'est quand même cette question aussi du syndrome de l'imposteur. Hein. C'est parvenir à changer de regard sur nous-mêmes. Oui, et parce que c'est une peur invisible, vous savez. Alors on met du temps à se rendre compte qu'on en souffre. C'est pas évident au départ à détecter. À vos côtés, Kevin Chassangre. Bonjour Kevin. Bonjour Flavie. Soyez le bienvenu. Vous êtes docteur en psychologie et vous avez justement réalisé des travaux de thèse sur le syndrome de l'imposteur. Cessez de vous déprécier, se libérer du syndrome de l'imposteur. En voilà un ouvrage qui peut faire du bien aux éditions Dunod. Est-ce qu'on est nombreux à être touchés justement par ce syndrome? Environ 20% de la population. Ah ouais, quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors pour qu'on se retrouve dans cet état-là aussi, Kevin Chassangre, à pas profiter justement de nos succès? Ah, ce sont différents facteurs qui vont venir tendre de l'enfance et des messages qu'on a pu recevoir durant l'enfance. Et après, il y a plein de facteurs contextuels à l'âge adulte qui vont favoriser effectivement l'émergence de syndrome. Alors, on a Lucie qui nous écrit « Je ne sais pas si j'ai le syndrome de l'imposteur, mais quand je réussis quelque chose, je pense que la chance y est vraiment pour beaucoup. Ne serait-ce pas plutôt de l'humilité ?» C'est quoi la différence, Pascal Schenck, entre l'humilité et le syndrome de l'imposteur? Vous savez, le doute, c'est quelque chose de bien. Hein. Nietzsche disait « Ce n'est pas le doute qui est maladif, c'est la certitude quoi qui rend fou. » Donc c'est normal de douter, c'est normal, c'est plutôt bon signe. Le problème, c'est quand ça devient chronique et qu'on ne croit plus les gens qui vous disent « C'est bien le boulot que tu as fait. » On est incapable d'apprécier les moments où on a accompli quelque chose. Là, ça, quand ça devient vraiment chronique, évidemment, ça pose problème parce qu'on ne goûte jamais rien. Et surtout, on n'est pas capable de faire mieux. Je veux dire, quand on apprécie un succès, on peut se dire, tiens, la prochaine fois, je vais encore essayer ça, je vais encore améliorer ça. Si on ne dispose pas ça, le doute vous paralyse. Et on trouve mille stratégies pour pouvoir rester à stagner. C'est ça qui est terrible dans le syndrome de l'imposteur, c'est que non seulement vous ne croyez pas les autres, mais vous ne croyez que vous et votre sentiment d'insuffisance. Alors Inès est en ligne avec nous, on va voir avec elle si elle souffre de ça justement. Bonjour Inès. Oui, bonjour. Vous avez 25 ans Inès, vous habitez à Montreuil, vous êtes professeure de yoga. Vous vous retrouvez dans ce que nous disent nos invités aujourd'hui? Alors je me retrouve dans ce que les invités disent. Je dirais que c'est quelque chose sur lequel je fais beaucoup de travail depuis un an et demi. Donc je suis professeure de yoga, donc ça fait aussi partie un petit peu du travail d'introspection. Ouais. Et je sens que j'en sors grâce à justement certains outils que j'ai pu mettre en place sans forcément m'être documentée. Mais c'est quelque chose qui était très présent, surtout au début de mon enseignement. J'habite à Montreuil, donc j'enseigne à Paris, qui est une grande ville où là, il y a plein de super professeurs et c'est vrai qu'il y avait cette question de légitimité qui revenait souvent. Il y a plein de super professeurs. Est-ce que Kevin Chassangre, à travers ce que vient de nous dire Inès en une phrase, l'un des symptômes du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire d'être dans la comparaison et de se dire je suis forcément moins bien que les autres?
Tout à fait. Et puis, il y a vraiment cette idée de considérer que tout le monde est, quoi qu'il en soit, meilleur que soi, puisque dans le syndrome de l'imposteur, on est surtout focalisé sur nos lacunes ou nos difficultés, surtout au début, puisqu'on n'est pas, comment dire, 100% parfait ou 100% compétent. Et il y a vraiment ce mécanisme de dévalorisation par la comparaison aux autres. Inès, vous avez été valorisée quand vous étiez petite ? Bah oui, j'ai l'impression que oui. C'est pour ça que quand on a parlé d'enfance, moi, j'ai l'impression que j'ai toujours été dans une famille qui a valorisé ce que j'accomplissais. Donc, Ah oui, mais ça peut aussi parfois, Pascal Schenk, ça peut être, alors je ne parle pas de votre contexte familial, Inès, hein, mais parfois, à force de valoriser, voire de survaloriser nos enfants, Pascal, on peut créer chez eux un sentiment d'illégitimité aussi. Oui, surtout si on n'est pas à l'écoute de ce qu'ils sont vraiment. Je crois qu'un des problèmes du syndrome d'imposture, c'est aussi le sentiment qu'on n'est pas à sa place. Vous connaissez peut-être le conte d'Andersen, Le vilain petit canard, cher Flavie. Bah, évidemment, on a tous eu à un moment donné l'impression d'être un vilain petit canard. Voilà, on est un vilain petit canard parce qu'on trouve que les autres canards ont des plus jolies couleurs que soi, on trouve qu'ils volent mieux, on est malheureux. Et puis un jour, on croise un cygne et on se rend compte qu'on est un cygne. Eh bien, voilà ce qui se passe avec le syndrome de l'imposture. C'est que parfois, on n'est pas à sa place. Tout simplement. Et les parents rêvent pour vous d'une vie qui n'est pas la vôtre. Et toute votre vie, vous essayez de rentrer dans ce moule, dans cette norme. Ouais. On est en plus dans une société très normative, donc comparative. Et le syndrome de l'imposture peut venir de ça. Alors, on va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Il en est une qui vous écoute, Inès. C'est Dominique. Elle va nous rejoindre et on parlera tous ensemble de ce fichu syndrome. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. RTL, c'était Caroline. 14h30, 15h. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h, on parle du syndrome de l'imposture. Daphné nous écrit, votre sujet fait écho à ce que je ressens. J'ai eu une promotion fin janvier. J'avoue avoir été très surprise. Je me suis même demandé si on ne me faisait pas une blague. Je n'ai pas le sentiment de l'avoir mérité plus que mes collègues et je la vis un peu comme un fardeau. Non, il faut savoir aussi jouir de ses succès et se dire aussi qu'on y est pour quelque chose quand ça marche. Et pourtant, ça n'est pas simple pour tout le monde. Nos invités aujourd'hui sont Pascal Schenk et Kevin Chassangre. En ligne, Inès, vous êtes jeune professeur de yoga donc à Montreuil, donc dans la région parisienne. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais Pascal Schenk voulait vous dire un truc. Alors, vous vouliez parler du yoga. Est-ce que vous voulez poser une question sur le yoga, Inès, ou vous faites un lien avec le sujet du jour? Je voulais réagir sur cette notion de comparaison parce que le yoga est justement une pratique extraordinaire pour sortir de ce fardeau de se comparer toujours aux autres. Et notamment, vous savez que dans un bon cours de yoga, il n'y a pas de miroir. Parce que normalement, quand vous pratiquez, vous ne vous regardez pas prendre la posture par rapport aux autres, mais vous la ressentez de l'intérieur. Donc je pense que c'est une pratique géniale pour revenir à soi, revenir à ses capacités, sans rentrer dans cette normatisation qui paralyse et qui met mal à l'aise. Bah c'est vrai que Inès, le yoga nous invite à la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Donc forcément, absolument, ça doit vous aider. La pratique doit vous aider, Inès. Oui, tout à fait. C'est tout à fait le cas. Et c'est ce que je disais, c'est grâce aux différents outils que j'ai mis en place dans ma pratique qui m'aident aujourd'hui à arriver à légitimer mon travail et mon succès. Voilà. Alors, on va demander à Dominique qui nous rejoint. Dominique, elle est un petit peu plus âgée que vous, Inès. Je ne sais pas si elle fait du yoga, mais peut-être que ça pourrait l'aider. Bonjour, Dominique. Bonjour. Ah, non, soyez mais la bienvenue. Ah, oui, non, vous êtes très gentille. Genre, un petit peu plus âgée, ouais, je n'ai que 40 ans de plus qu'Inès. Vous avez 64 ans. Voilà. Mais bon, voilà. Mais effectivement, le yoga que je pratique depuis très peu de temps, depuis quelques génial mois, m'a refait prendre confiance en moi, m'a permis d'oser me mettre au milieu d'un groupe, sans crainte de la compétition, sans crainte de rater, sans crainte d'être nulle, parce que j'ai découvert enfin de la bienveillance et de la tolérance. Ouais. Donc ça, c'est la parenthèse yoga. Alors ça n'a pas été facile, hein. Vraiment, il y a Kevin Chassangre qui a fait des travaux de thèse sur le syndrome de l'imposteur. Il aurait pu vous rencontrer, Dominique, pour bosser, parce que vous, ça vous a bien poursuivi toute une partie de votre vie. Ah, moi ça m'a poursuivi et maintenant il m'arrive de lutter en
encore. Bon, j'en ai, maintenant, j'ai quelques, comment j'allais dire, des petits clignotants qui s'allument. Je détecte quand je suis en train de me dévaloriser, en train, je vais même oser dire, je sais pas si, je suis parfois, quand ça, je réussis quelque chose, je me sens presque coupable en me disant, oui, mais c'est un coup de bol, quoi. C'est un coup de bol. Voilà. C'est un coup de chance. En revanche, quand je rate quelque chose, il y a encore. D'abord, c'est normal. Et puis, je m'insulte. Enfin, je m'insultais. Maintenant, j'ai aussi, travaillant sur moi-même, j'ai aussi appris qu'il fallait que je me parle correctement. Je me parlais à moi-même comme jamais je n'oserais parler à personne d'autre. Du style, t'es nul, ma pauvre fille, mais quelle idiote. De toute façon, c'est pas étonnant. Il croit que tu es capable de, mais toi, tu sais bien au fond que tu es nul. Toujours peur de ne pas être à ma place. Toujours cette peur d'être rejetée de l'autre. Qui m'a fait aller de catastrophe en catastrophe maintenant. Parce que, en fait, vous parlez d'un auto-sabotage toute votre vie, dans tous les domaines de complètement, votre vie. Complètement. C'est-à-dire... Complètement. Ça va des examens scolaires, en passant par la vie amoureuse, parce que vers la trentaine, je me rappelle avoir renoncé à une histoire d'amour, parce que je me suis dit, mais non, il n'est pas pour moi, il est trop beau, il est trop bien. Mais bien sûr. Donc, les années ont passé, et puis quand je revois ça, je me dis, mais quel gâchis. Et puis voilà, bon, maintenant ça me poursuit encore un petit peu, mais ça serait plus dans le style procrastination, c'est-à-dire que quand je sais que j'ai quelque chose à faire, mais enfin, c'est presque comme si je me mettais en position de raté. Ah oui, je comprends. Oui, comme si quelque part il y avait une sorte de prophétie auto-réalisatrice, vraiment dans le mauvais sens, quoi. Voilà. Mmh. Alors effectivement, en ayant conscience, je mets en place des systèmes pour lutter, mais c'est une catastrophe. Puis ça crée une anxiété permanente. Alors, on en parlera là avec nos invités. Inès, vous voyez un peu, hein, vous avez raison de prendre les choses en main dès maintenant. Oui, tout à fait. Et je voudrais juste rebondir sur une chose qui a été dite. C'est un des outils qui a vraiment fonctionné pour moi. C'est justement de toujours s'adresser à soi comme on s'adresserait à quelqu'un qu'on porte dans son cœur. Et en fait, ça va changer beaucoup de choses. La manière dont on se parle, en fait, ça aide énormément. Mais vous avez parfaitement raison, et c'est vrai que Dominique, vous soulignez, on se parle à nous-mêmes comme on n'oserait jamais s'adresser à quelqu'un d'autre. C'est parfois d'une violence déconcertante. Hein. Inès, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur dans ces conditions un petit peu particulières. Vous donnez des cours en visio ? Oui, tout à fait. Je vais lancer ma plateforme de yoga en ligne, donc qui s'appelle Omji Studio. Si certaines personnes veulent regarder, c'est un plaisir. En tout cas d'échanger avec vous et de discuter de tout ça. Merci, on vous souhaite le meilleur, Inès, je vous embrasse. Dominique, je vous garde avec nous parce que justement avec Kevin et Pascal Schenck, on va essayer de voir quelles sont les voies hein, que l'on peut emprunter pour aller mieux. À tout de suite sur RTL. RTL, on est fait pour s'entendre. 14h30, 15h, on est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand sur RTL. J'ai repris l'affaire familiale il y a 12 ans, nous écrit Cédric. Même si l'année 2020 est compliquée, ça marche quand même plutôt bien. Je pense que c'est grâce à tout ce que mon père avait mis en place. Je ne fais que suivre ses pas. J'ai toujours un peu la crainte qu'on vienne me dire que ma gestion est franchement mauvaise et que je ne suis pas digne de ce que mon père a construit. On parle du syndrome de l'imposture et c'est vrai que à travers le témoignage de Cédric, on se rend compte que parfois aussi planent au-dessus de nous hein, les figures tutélaires de nos parents quand elles ont été puissantes et notamment dans le domaine professionnel. Dominique, ça me fait bien plaisir de vous entendre parce qu'on sent dans votre voix non seulement celle d'une femme qui a donc analysé ce dont elle souffrait depuis longtemps, mais d'une femme aussi qui a décidé de réagir et de s'emparer de sa problématique. Pascal Schenck et Kevin Chassangre vous écoutent. Rapidement, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour vous faire du bien et vous accorder quand même le plaisir de vos succès ? Alors, la première chose, c'est que maintenant, franchement, de moins en moins, je m'insulte. Ça a été relevé par Inès. C'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience, c'est-à-dire que ce soit prononcé ou que ce soit pensé,
il faut chasser ça très très vite. Parce qu'on ne démérite pas plus que notre voisin, on n'a pas le droit de se parler plus mal qu'on ne parlerait à quiconque d'autre. Donc ça, c'est une chose. Et puis, je lutte aussi contre les complexes, parce qu'évidemment, on parle que des problèmes de travail, ça, mais ça va aussi sur les complexes physiques. Et c'est un complexe qui poursuit dans tous les domaines. Et maintenant, j'essaie d'être indifférente au regard de l'autre. J'essaie. Je n'y suis pas forcément arrivée tout le temps. Je n'y arrive pas forcément tout le temps. Mais de plus en plus. De plus en plus. Et je me fais aussi le porte-drapeau, par exemple, de certaines attaques. Je dis, mais non, il ne faut pas. Alors que moi-même, il y a 10 ans, je faisais de l'ironie sur les femmes, sur les grosses, ou sur... Il faut l'admettre. Et sur moi-même, d'ailleurs, de l'autodérision sur moi-même. Et maintenant, je n'utilise plus ces outils-là. Oui, je comprends. Oui, vous vous rendez meilleur. Enfin, en tout cas, vous laissez transparaître et vous laissez vivre la meilleure partie de vous-même. Kevin Chassandre, en fait, c'est... Oui, vous essayez. Kevin Chassandre, Dominique, elle nous explique la bienveillance. Tout à fait. Alors, Dominique, j'aurais adoré vous accompagner, du coup, à mon cabinet. Mais tu m'étonnes. Elle est super, Dominique. C'est dans votre... Kevin, c'est ça, voilà. C'est ah oui, des dans, voix. Dans son témoignage, on a tous les symptômes, que ce soit la peur de l'échec, la culpabilité ou la honte vis-à-vis de la réussite, la procrastination ou autre. Et c'est vrai que l'un des outils les plus efficaces, on va dire, pour le syndrome de l'imposteur, c'est justement d'adopter ce regard bienveillant envers soi, puisqu'on ne parlerait pas aux autres tel qu'on se parle à soi-même. Et c'est en fait, d'une certaine façon, s'autoriser à développer ce qu'on appelle une sorte d'hygiène émotionnelle et psychologique, s'entraîner justement à avoir un regard juste bienveillant et compatissant vis-à-vis de soi. Pascal Schenck, c'est vrai ça, le terme hygiène émotionnelle, c'est vraiment intéressant parce qu'on est tellement mieux, on se sent tellement mieux dans un univers, je sais pas, de bienveillance, de positif. Oui, alors moi je vais peut-être être un peu moins enthousiaste que vous invitez. Je pense que tout seul c'est très difficile. Bravo Dominique, c'est vraiment formidable. Mais je pense que il y a des moments quand on est face à des peurs comme ça, insidieuses, assez difficiles à détecter. Parce que les gens ne viennent pas en disant je souffre d'un syndrome d'imposture. Ils viennent vous voir parce qu'ils vous disent j'éprouve aucun plaisir au travail. Ils viennent vous dire je n'aime pas profiter de la vie, et c'est très difficile à débusquer. Donc j'aurais tendance à penser quand même qu'une psychothérapie, même de quelques séances, un accompagnement, pour aller voir exactement qu'est-ce qu'on pense, comment on le pense, quelles sont les pensées qui nous entravent, s'avère la plupart du temps nécessaire. Cette bienveillance envers soi-même, il suffit pas de dire je m'aime pour y arriver. Non, c'est pas ce qu'on disait, mais d'ailleurs Dominique nous a expliqué qu'elle a passé sa vie à ça. Mais oui, donc elle a quand même, donc c'est tout le travail d'une vie en fait, de parvenir absolument à parler comme on en parle aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est la voie de la bienveillance qui nous permet peut-être aussi à un moment donné de se valoriser. Et ça c'est important. Mais effectivement, Pascal, vous avez raison de le souligner. On a besoin d'être soutenu et que peut-être aussi que c'est dans notre passé, dans nos relations familiales, dans l'éducation qu'on a reçue, ou parfois aussi une rencontre qui aura été un peu toxique, que l'on trouve les origines finalement de ce genre de syndrome. Absolument. Et parfois, ça se manifeste par des choses très, comment dire, insignifiantes. Vous savez, ce truc de ne jamais accepter les compliments, ça paraît vraiment anodin. On vous fait un compliment sur votre tenue et tout de suite, vous répondez « Oh, mais non, c'est un truc que j'ai depuis longtemps. » Ou alors... « C'est un coup de bol aujourd'hui. » Voilà, c'est pas une couleur qui me va très bien, en fait. C'est-à-dire tout de suite, minimiser son impact, minimiser le goût des bonnes choses dans sa vie. Pourquoi on s'empêche de profiter? Ça, je crois que c'est vraiment la question de départ. Et après, c'est effectivement un long chemin pour trouver les saboteurs d'origine, on va dire. Bien, je vous remercie en tout cas tous les deux, Pascal Schenck, Kevin Chassandre, d'avoir été nos invités. Dominique, je vous embrasse. Ça m'a bien fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Prenez bien soin de vous dans les semaines qui viennent. À très bientôt. Merci à vous. Beaucoup. Je conseille les ouvrages de nos invités. Pascal, donc, Schenck, et Tu verras ta vie autrement aux éditions Larousse. Et pour vous, Kevin Chassandre, Cessez de vous déprécier, se libérer du syndrome de l'imposteur. Ça peut en aider beaucoup et c'est aux éditions Dunod. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous embrasse. Faites bien attention à vous et à vos proches. On passe à l'information sur l'antenne d'RTL.
Flavie Flamand sur RTL.